attention à Mais lui tu sais, lui, il parce se faisait que. battre par sa meuf. Mais bon. À mon avis, apparemment, il sortait avec une grosse, une Oui. camionneuse. Et sur la tête de moi, un jour, je le vois au grec. Et il me dit. Je dis, alors, ça va bien avec ta copine? Il me dit, je suis plus avec Toto. Et je dis, pourquoi? Il me dit, tu sais qu'elle me battait? Tête de ma mère, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai rigolé. Après, elle me dit, non, mais c'est pas marrant, Toto. Des fois, elle me dit, tu sors pas! Et elle a fait ça. Ouais, c'est chaud, ça. C'était qui la meuf? Putain. Moi, sur ma vie, une fois, Alexis, elle a essayé de me mettre une gifle. Non, plus jamais. Plus jamais elle a essayé. Je tape pas les filles, hein, mais elle a plus jamais elle a essayé. C'est mes réflexes qu'on parlait tout seul. Elle s'est levée, elle a voulu me mettre une gifle, ça fait comme dans les films de karaté. J'ai fait. Sur ma vie, c'est vrai. À une vitesse éclair, elle était choquée, genre, elle a fait. J'ai fait. Elle a fait. Elle dit plus jamais. Je te jure, on parlait tranquille dans la cuisine, genre on s'embrouillait, mais on parlait tranquille. Bon, on s'embrouille, mais on parle. Ouais. Non, on s'embrouillait, mais on parlait, quoi. Genre, je réglais des choses. Et d'un seul coup, je lui ai dit un truc vexant, c'est lui, elle a voulu mettre une gifle. Ah, plus jamais, meuf. Enfin bref, elle a tout oublié, elle m'a traité de pute en bas. Elle m'a mis les doigts dans les yeux avec la cigarette. Elle était par là des gens que je connais, c'est même les gens qui sont venus me voir. Ouais, non, mais elle est folle, elle a fait Donc, ça avec du slip ou quoi. Mais même hier, elle s'est tapée avec une meuf. Non. Bah tiens, tu vois, la meuf avec qui elle est passée chez moi, la Farah, la petite ouais. La grosse. Et bah, elle l'a tapée, je sais pas, c'est. Non. Elle a volé le ballon. Ah, je sais pas, elle est dans des. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle raconte. Mais pourquoi tu ouvres la porte? Gère-toi là cette vieille meuf. Je t'explique. Je lui ai mis 15 fois les barres sur les points sur les i, les barres sur les t, les accents sur les e, ce que tu veux. La meuf, le lendemain, revient. Sur ma vie, j'ai voulu dire je vais te niquer et tout, je vais te casser ta gueule sur la tête de ma mère, Joanna, le lendemain, revient. Sur ma vie, la dernière fois j'allais la taper, je te dis, je me suis niqué la main pour elle. Regarde maintenant mes doigts, ils sont tout tordus à cause d'elle. Sur la tête de moi que c'est vrai. Sur la tête de moi. Hey, j'allais la tuer. La meuf elle vient chez moi, elle se permet de m'embrouiller parce que je dis à sa mère qu'elle est chez moi. Mais t'es taré toi ou quoi? T'es taré toi. Je vais te prendre par ton bonnet et tes lunettes, tu vas voir, je vais te les faire manger moi. Attends, comme je te dis, je t'appelle pas les filles, mais il faut pas venir chez moi pour manquer de respect. Attends. Elle croit qu'elle va me rentrer chez moi pour faire des photocopies. Je crois que je vais encore courir pour elle pour. Non, vas-y, tu n'es pas là. Dis-lui qu'elle baisse la télé. Ça va. Elsa, c'est haut. Heureusement que j'ai dormi cet après-midi, mon Dieu. Okay. Enfin bref, elle a cru que c'est. J'espère qu'un jour elle va toquer et que je suis là. Eh, jamais de la vie. Moi, tu me connais mal. Non, mais moi, je vais lui dire, tu vois. Jamais. Autant Toto, c'est Toto. Mais elle, jamais de la vie. Moi aussi, je t'aime. En plus, en bas du bâtiment. Elle m'a dit que j'étais folle, que j'étais pas normale, que j'étais. Oui, ça, c'est vrai que t'es pas normale. Alors, c'était sur moi. Mais y'a que moi qui a le droit de dire ça. Non, elle me dit que je suis pas normale, c'est pas grave. Ça, dans la cité, ils savent. Mais ils savent aussi que je suis pas folle non plus. T'es une gentille folle. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils veulent. T'es une folle consciente. Moi, j'aime pas que les gens me disent t'es fou. C'est ce qu'ils me disent. Ils me disent t'es fou, je dis non, je suis un fou, mais conscient d'être fou. Donc je sais que je suis fou parce que les fous, les vrais fous, ils savent pas qu'ils sont fous. Bah non. Moi, je sais que je suis fou, par exemple. Je sais ma folie. Je sais jusqu'où je peux aller. Ça a un nom en plus. Hein? Ça a un nom. Je sais pas comment on dit ça. T'es schizophrène. Je rigole. Non, par contre, Lex Alora était vraiment schizophrène. Lex Alora. Ma soeur. Là, je sais pas si. Bon, peu importe, ça s'appelait Messem, mais il fait au moins 2 mètres le mec. Eh, mais tu sais ce qu'elle lui a dit en plus, Elsa tout à l'heure, c'est une ouf. Elle voit Laura, à Laura. Ouais. Elle voit Laura, elle passe vite à la rugby, tu vois. Elle était maquillée, tout ça, enfin bref. Elsa, elle dit, eh, mais tu vas où comme ça? Après, je fais Elsa, je lui mets un petit coup, je fais, ouais, il y a bien les. En intervention. Ah ouais. Et il y en avait un autre qui était passé avant. Bon, peu importe. Après, j'ai Elsa, mais ça va pas la tête, ça se dit pas ça. Après, Laura, elle se rapproche, elle dit, t'as dit quoi? Elle dit, non, mais tu vas où comme ça? Après, Laura, elle rigole, tu vois, elle dit, hey, mais t'es bien curieuse, toi, dis donc. Après, elle me dit, même hier, elle m'a vue, elle m'a dit, c'est à cette heure-ci que tu rentres. Je te jure, Elsa, elle a dit ça hier. Après, je fais, oh, je suis désolée, toi, mais elle me dit, mais non, c'est pas grave. Son ancien mec à Laura, ouais. Il était vraiment schizophrène.
Ils essayaient d'éteindre la télé parce que le voyant rouge, ils nous observaient. La tête des mondes, c'est vrai. Putain. Il y avait des Micheline, celle qui est venue chez moi, celle qui t'a ouvert la porte tout à l'heure. Genre, il est venu chez moi un jour, il est même parlé dans la chambre, il me dit elle, c'est une indique pour les cœurs, je sais pas quoi. Ma pique, c'est vrai, Micheline. Ouais, j'ai pas. Sur ma vie, c'est vrai, Micheline. Non, sur ma vie, c'est vrai. Ouais, soit un jour, on passe à côté de l'arrêt de bus. Tu te rappelles Jennifer Bouchin? Non, tu l'as pas connue, toi. Non, une meuf de mon collège. Sur ma vie, on passe à côté d'elle. Pareil, il me dit c'est une indique. Sur ma vie, il était fixé sur ça, mec. Sur ma vie, des fois, il fumait de la terre. Sur ma vie, c'est vrai. Un jour, j'allais niquer ce jour-là. Il vient chez moi, il me dit tiens, toi, j'étais en galère, que j'avais pas fumé. Il me dit tiens, Toto, je fume et je sens ça crépite en plus. Genre, ça fait. Genre, ça pète dans le monde, comme des étincelles. Après, je fume, je dis elle est bizarre ton joint et tout. Après, Laura, elle arrive, elle me dit tu fais quoi, toi? Après, je dis bah quoi, il m'a passé un joint. Elle me dit mais t'es con, il fume de la terre là. Après, je dis t'es sérieuse là? Après, elle me dit bah ouais. En plus, tu vois, dans la piste rouge, quand on était petit, il y avait des petits trucs, même on jouait avec les craies là. Sur ma vie, il roulait avec ça des fois. Et sur ma vie, j'ai été choqué. Je dis t'es un enculé, toi, t'es sérieux, tu me fais fumer de la terre? Il dit non, c'est pas de la terre, c'est de la frappe, je sais pas quoi. Sur ma vie, il était dans un monde. Sur ma vie. Putain, je ne pourrais pas sortir avec un mec comme ça. Non, mais parce que, je sais pas, il est attendri, je sais pas comment dire, il fait pitié, je sais pas comment dire. Il fait, des fois, Laura lui parle, il a une tête de cocker battu, genre, il était comme ça. Il faisait archi pitié, moi j'avais pitié pour lui. Mais j'ai dit, elle est culottée. Et ce matin, je savais. Parce que comme elle devait pas avoir de clope, je suppose, ou elle avait pas de. Qui si, mais elle, le pire, c'est qu'elle vient chez moi. Et qu'elle fume ses clopes et elle demande à personne ouais est-ce que t'en veux ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. Ou par contre pour me demander les cafés, ça c'est faire, tu vois ce que je veux dire. Non mais moi j'ai compris tout ça. Moi je veux pas. Ça m'intéresse pas. Ah en plus tu me sers à quoi? Dis-moi, à me faire mal à la tête. Tu me salis la table, tu me salis par terre, tu me restes bloqué ici et tu m'apprends quoi? Tu m'apprends quelque chose, tu me sers à quelque chose, tu me dis une discussion qui va m'apporter quelque chose. Tu sais, par exemple, toi, tu me dis, oh, ben tiens, je regarde à la télé, tiens, ça. Je vais apprendre quelque chose de toi. Mais là, je vais apprendre. Elle n'apprend pas dans son monde. Ouais. Une légère envie de violence quand elle balance ses bras. Attends, je te passe rire, Toto. Non, je ne suis plus comme ça. C'était son anniversaire. C'est la vie d'enfance, moi. Toujours je partais avec eux. Ta cellule. Enfin bref, la copine elle veut squatter ici. Ah bah c'est mort. Ah bah c'est mort, deux fois. Elle est belle la salle, t'as vu? C'est où ça? En bas des pieds là. Mais oui, exactement. En face du commissariat. Ok, je vois ce que à côté de l'ancien arrêt de bus du 323, bizarre. Oui, voilà, c'est ça. T'as raison, à côté du dispensaire, voilà. La pharmacie. Voilà. Bah ça, tu sais, la pharmacie. Là, il y a un pont et c'est juste en dessous du pont, quoi. Ah non, à côté du dispensaire. Où elle travaille, là, sur Rafa d'Amour, le dispensaire. Le CMS. Oui, c'est là. Dans le pont, c'est bien ce que je dis. Ah, moi je croyais que tu parlais. Oui, c'est ça, ouais. C'est bien ce que je te dis. Ouais, ouais. Je vais te dire avant le pont. Non, non, c'est ça. Et le CMS, c'est avant le pont. Avant le parc des Arts. Voilà, c'est ça. Il y a un restaurant. Ok, je vois ça. C'est là. Ah, je suis désolée, j'aime pas du tout. T'aimes pas quoi? J'aime pas. Ça se fait chauffer en plus. C'est chaud. Mais c'est j'aime chaud, pas ouais. Le mélange sous ce nous. Ouais. Ça, je vais manger, bah, prendre du riz normal et un peu de beurre. Non, c'est bon, j'ai plus faim. Il y a du taboulé. Ouais. Y a...
ça va très cher, il y a du pain. Il y a des yaourts. Brebis. Ah oui, en parlant de brebis, en parlant d'agneau, il y a la mission Cléopâtre à la télé. Ouais, ils datent ça. Mais ils ont mangé le manio. Et nous, le manio. Je connais pas. Ah, tu connais pas? Non. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Ah, j'avais compris, un lion dans le placard. Je m'en souviens même plus, ça fait tellement. Moi, je le connais par cœur, ce film. Je l'ai vu un million de fois. Et pendant un moment, sur ma pique, c'est vrai, la télé, en 5e, je me rappelle très bien. Avec mes potes, on connaissait les répliques du film par cœur. Genre, on se refaisait le film entre nous. Genre, sur ma pique, c'est vrai. Je te crois, hein, parce que moi. Genre, toutes les répliques, même pendant un moment dans le film, il y a un mec qui parle pendant au moins 10 minutes. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations. Et sur ma vie, même ça, on le faisait. Mais c'est un truc français, quoi. Mais c'est avec Jamel Debbouze et tout. Astérix et Obélix.